Salut tout le monde, c'est Néo1508, on se retrouve pour une petite news. Donc je reviens, donc le bac est passé, tout ça, donc cette fois-ci c'est pour de bon. Avant je disais que je revenais, mais il y avait le bac qui revenait, il y avait le bac blanc, il y avait tout. Enfin, y avait... Jamais prêt le mec, hein, jamais. Donc cette fois-ci c'est de bon, pour de bon. Donc annonce de vidéo, premièrement, de 1, bam. Je vais vous faire une vidéo. Là c'est ça vite fait, hein, je vous dis ça. Alors, pour changer le fond de votre carte du radar et le fond du chargement d'une carte. Par exemple, une image de Dust 2 en fond de chargement de la map Dust, il y aura une autre image, le drapeau français, ce que vous voulez. Le radar, je vais vous montrer comment changer l'image qui sera affichée en mettant une carte beaucoup plus schématique, beaucoup plus simple à comprendre avec des infos écrites dessus. Ensuite, je vais faire les 5 choses que vous ne saviez pas. Enfin, je dis ensuite, l'ordre de publication ne sera pas la même. 5 choses que vous ne savez pas, ça risque pas de venir de suite parce que je suis en train de chercher. Parce que je vais pas voir sur les autres vidéos, tout ça, les 5 choses que vous ne savez pas sur CSGO. Parce que tout ce que les gens y font, c'est sur la création de CSGO. En gros, on s'en bat les couilles. En gros, CSGO, ça vient de CSS, ça vient de CS1.6. C'était un mode sur Half-Life, tout ça, ouais, bah, voilà, on s'en bat les couilles de ça. Nous, les 5 choses qu'on ne sait pas in-game, c'est-à-dire les choses que vous ne saviez pas et qui vous seront utiles. Par exemple, si tu enlèves ton USPS, là, ton silencieux, ça ne servira strictement à rien par à changer le son. Donc voilà. Non, je vais pas vous spoil parce qu'en fait, 5 choses, ça en fait déjà beaucoup parce que j'en ai déjà fait un de 5 choses. Je vous dis, pour les trouver, c'est au fur et à mesure qu'on joue. À un moment, paf, hop, on a une idée, on se dit, oh, mais tiens, peut-être que les gens le savaient pas. Voilà, donc, c'était l'histoire. Du coup, annonce vidéo finie. Il y aura d'autres, évidemment, d'autres trucs, tout ça. Ensuite, maintenant, faut que je dise, je joue sur ESR. C'est comme du Faceit. C'est un service tiers qui te permet de faire du matchmaking. Indépendamment du matchmaking de CSGO, ce sera des serveurs 128 ticks avec un rank sur le site, tout ça, un peu comme du Faceit, comme je viens de le dire. Bref, ensuite je vais faire des streams les week-ends, donc j'espère que tu seras là le week-end. On va se faire du Rocket League. Le Rocket League, je vous préviens, ça va être de la rigolade, ça va être. On va viser s'amuser sur Rocket League. Ça va être. On va faire un peu les fous. Ouais. Ensuite, du CSGO évidemment sur SEA. Vous montrer un peu comment les gens peuvent être sympas ou des gros enculés. Hein, ça change pas, hein, les enculés il y en aura partout dans tous les cas. Écoutez, pour les streams. Ah, peut-être du Trackmania aussi. Du Trackmania, je suis un peu moins là. On verra bien. Trackmania, c'est le petit stream du soir, tranquillement posé. On se parle des trucs avec nos abonnés. Voilà. Ensuite, il y aura des vidéos Ultra HD, toutes les vidéos sont Ultra HD, 1080p 100fps, hein, parce qu'on a plus le temps de niaiser maintenant avec notre connexion. Ensuite, vu que j'ai bientôt 2000 abonnés, alors j'ai un bon sur ma chaîne, je pense faire peut-être une FAQ, qu'est-ce que vous en dites dans les commentaires. Donc oui ou non, c'est de la merde, tous les gens en font, c'est nul, je me désabonne, vous mettez ce que vous voulez. FAQ, oui, c'est bien, j'aime bien, je veux savoir, voilà. Vous mettez vos avis, je veux voir si c'est bien de faire une FAQ. FAQ 2000 abonnés. Ensuite, des suggestions. Bah voilà, suggestions. Voilà, on a fini les vidéos. Donc, suggestions. Si vous avez des idées de vidéos, des idées de conseils, tout ça, sachant que dans les annonces de vidéos là que j'ai fait au début de la vidéo, il y a pas mal d'idées qui sont venues d'abonnés que je n'ai pas citées là, mais qui vont bien arriver sur la chaîne. D'accord. Donc, au niveau du rythme de vidéo, ce sera à mon avis une vidéo tous les 2 ou 3 jours. Hein. Vu que là vraiment on a vraiment plus le temps de niaiser, je vais vous l'annoncer hein, carrément. Tout dit, annonce de vidéo. Bon bah, mettez des suggestions, des avis, j'en ai vraiment besoin. Prochaine vidéo, normalement, comment paramétrer le radar hein, on va pas se fouler quoi, on va le faire direct. Donc demain, normalement, vu cette vidéo c'est juste parler dessus, donc c'est vite fait. Donc demain, on va se commencer là-dessus. Ce sera des vidéos, ces tutos là. 5 minutes grand max, c'est-à-dire un truc hyper condensé. Parce que les gens qui te font des vidéos 30 minutes pour la sensibilité,
Moi, je t'en fais une de 2 minutes, ça en dit 3 fois plus. Bon, hein? Déjà, on pose nos couilles. Bon, ouais. On va se calmer. Bon, merci de regarder. Une pensée à ceux qui travaillent encore. Une pensée à ceux qui ne brûlent rien. Et bonne vacances. Bon, allez. On se revoit bien.